Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, pasteur Bobo. Après une très belle soirée, vous étiez modératrice. Votre réaction par rapport à ce soir? Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, on avait deux naissances. La naissance des hommes et femmes de Dieu qui sont consacrés dans la sacrificature et l'anniversaire de l'Église. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est pour conquérir les âmes, tout ça. Je bénis Dieu. Vous priez ici? Pardon? Vous priez ici? Oui, je prie ici pour l'instant. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? Ce qui m'a marqué, c'est d'abord la patience des gens, parce que ben voilà, tout le monde est resté, presque tout le monde jusqu'à la fin. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est cette équipe qui vient de l'Espagne pour venir se faire consacrer ici par l'apôtre Albert. Donc ça m'a beaucoup impressionné, ça montre l'amour que les gens ont pour la parole de Dieu. Ça me marque. Un petit mot à l'apôtre Albert. Beaucoup de courage, c'est quelque chose, cette église, on peut approcher comme ça la maman. On t'attend dire. Oh, la maman, elle est là-bas. Pardon. Donc, beaucoup de courage à l'apôtre Albert parce que c'est un travail qui vient de commencer. Mais nous lui souhaitons beaucoup de courage. Nous sommes là pour le soutenir. Voilà ce que je peux dire. Ça, le début n'a pas toujours été ça. On dit que le diable arrive toujours en retard. Le diable vient. Arrive toujours en retard. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un retard. C'est un retard. La souka. Le retard, déjà, tout s'est bien passé. Le retard. Tout s'est bien passé. C'est que Dieu protège. Le diable vient en retard. Moi, je ne connais pas les programmes des diables. Hein. Moi, je sais que c'est... On voulait perturber la radio, mais c'est en retard. Tout est fini. Non. Tu sais ce que j'ai compris quand j'ai parlé avec cette équipe de personnes-là. Donc, ils ont passé tout leur temps pour rien. Parce que le problème, c'était justement question-réponse. Tout le monde est sur le diable. Zablou, Zablou, en retard. Non, on a écouté mon programme de diabolité. Moi, je sais que les gens, les hommes, les savent Zablou, parler. Zablou, en retard. Les gens, les savent parler. Bonjour, hello. Bonjour, hello. Bonjour, hello. Bonjour, Bolia. Oui, Mbote, papa. La soirée, ça s'est bien passé? Oui, vraiment. Merci la parole au Pessing à Pasteur Bobo. On a eu un petit aussi quand tu es Belgique. Tu nous dis, pardon, cher Bobo, je ne sais pas si tu as eu un petit consécration. Moi, j'ai été Bible lobby, la moisson est grande, mais les ouvriers sont payés. À chaque année, à chaque instant qu'il va, quand je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, il faut pas à la consacrer. Pas que nous sommes dans la ville à ma Satan a un retard et c'est Sénégal. A un retard. Merci, Zama. Merci beaucoup. Ah, Macambo. Bon dia. Tout est sûr. Bonjour, ma belle. Merci. Une c'est présenté comme la au club. Moi, je m'appelle le pasteur Serge. Et je suis de l'Angola. Je suis venu de l'Angola. Mais j'habite ici à Paris. Je suis serviteur de Dieu. Et c'est l'apôtre Bobo qui m'avait invité. Votre réaction par rapport aujourd'hui? J'ai renseignement à sa vie. Asa vraiment l'émerveillé. Comme le pasteur vient de nous dire, il vient de nous prêcher tout à l'heure, exhorter, je peux dire que pas des combats, mais des bons combats. Là où il faut les cas pour moi, bon, je vois que. Ça, t'en as. Ah, tout le retard. Retard, c'est ce que. Bonjour, prophétesse. Bonjour, ça va? On vous a vu bien pressé avec l'onction. Qui êtes-vous? On vous voit directement, vous pressez très bien. Qui êtes-vous? C'est la prophétesse Jennifer. Voilà. De quel pays? Oui, je suis de Paris. De Paris. C'est le
de Paris, c'est ma deuxième fois que je viens dans la maison de prière. Et je suis très bénie. Je me sens à l'aise ici. Pourquoi voilà. J'ai envie, c'est juste parce que je suis un peu loin. Mais si j'étais proche, c'est pas que c'est ici que j'allais venir. Quand vous dites que issu d'une famille de maladie, issu de famille de parents malades. Oui, je suis née de deux parents qui étaient siliens, des parents biologiques. Ils ont été siliens. Moi, je suis née sans plus. J'ai fait grâce, mais je suis née d'une famille. Ils sont destinés. Ils sont morts. Oui, ils sont décédés. Ma mère, parce que j'avais 3 ans. Ils sont morts. Par la suite, j'étais adorée. Mais. Avant déjà que je puisse naître, j'ai 9 ans de mariage en France, je suis déjà allée dans ce genre d'histoire. Je vais vous recevoir après, mais par rapport à la conférence d'aujourd'hui, votre réaction? C'était juste magnifique. J'ai aimé, franchement, tout est au top, très bien, bien organisé, c'était pointué et avec beaucoup d'émotion. Un message à Albert Roux. Papa Albert, continuez à être ce que vous êtes. J'ai été beaucoup touchée par cet amour que je voyais que vous dégagez pour les uns et les autres. J'ai vu vraiment cet amour. Quand on parle de l'amour fraternel, c'est ce que je retrouve dans vous. Ça y est, tout comme vous êtes. Parce qu'une femme peut prochaine, une femme peut prochaine. Une femme peut prochaine. Bien sûr qu'une femme peut prochaine. Très sûr. Qu'est-ce qu'on vous a dit en la vie de Joël? Je répandrai mon esprit sur quoi? Sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. On n'a pas dit que ce sont les hommes. Que répondez-vous à ceux qui disent que la femme doit ne peut pas diriger une église, bon, peut-être parler, ne peut pas diriger une église. Ça, ce sont des machos qui répondent. Christ est mort pour tout le monde, il n'est pas mort pour les hommes, vraiment. Les femmes aussi. Il faut croire au ministère. Parce que le jour de la Pentecôte, l'esprit est descendu sur tout le monde. Quelqu'un a dit que celui pasteur à Mobile à Koui tombe, scandalise 50%. Si c'est une pasteur une femme qui tombe, ça, scandale est allé 200%. C'est la mentalité. Et en gros, Dieu vous a protégé. C'est la mentalité africaine. C'est nous-mêmes qui nous exagérons. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tout en amenant. Oh! Content de vous voir. On se voit, Bobo. Ton grand frère. Il veut y arriver. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bien, mon ami. Ça c'est bon. Félicitations, hein. Merci. Félicitations. Merci. Ah, ça. Où tu me dis? Mais où est le retard? Oh. Moi, je continue de Nagatia. Moi, je suis dans la zone de Galégaré, yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, ça c'est bon. C'est la famille. Ah, c'est bon, mais tu es banni. T'es pas la caméra, mais t'es déjà dedans. Bonjour, ça va? Bonjour, pasteur. Vous ne traversez pas pour aujourd'hui? Non, c'est une grande bénédiction de venir à prendre part à la cérémonie des consécrations des ministères. Parce que la parole de Dieu s'accomplit. Donc là, c'est comme une espèce d'envoi en mission qui vient de se passer là. 6 consécrations. Oui. Toi hispanique, toi africain. Exact. Formidable. Ça montre aussi que voilà, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni roumain, ni congolais, mais on est tous unis en Christ. Voilà. Donc c'est bon. Ça va. Mbote, mbote, moi, bien ensemble. Pasteur Bobo. Merci beaucoup. Merci. La grâce de Dieu. Réactionnant par rapport à les noms. En tout cas, vraiment, on t'a pas joué. Je suis vraiment très, très, très joyeux. Comme a clôturé notre papa, je sais, ami, soyez toujours joyeux dans les Seigneurs. En tout cas, il y a des choses merveilleuses qui se passent. C'est pour cela.
le diable et n'était pas d'accord avec nous, mais avec Jésus, nous ferons des exploits, nous ferons beaucoup de choses. Il y avait des choses spirituellement qui s'est passé et enseigné. Je ne sais pas comment expliquer moi-même. Pendant même que j'étais en train de chanter, il y a fait des grandes choses. Il y a beaucoup de témoignages. Mais ma vie, ça t'a la tigoyemba, à tigoyemba, oui, mais l'on bien est signé. Bah consacré bah c'est là comme tout t'as mon bossy ça t'as arrêté arrêtez tout arrêtez nous on va pas l'arrêter avant donc nous c'est les casse les loups ceux qui ont volé à baby sito non il est merveilleux c'est non ça va bonjour pasteur ouais c'est la bonjour hein. Votre réaction par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui réaction il faut une nouvelle génération et remplacer. Voilà. Donc tous en pour contribuer pour soutenir le jeune ministère parce que Bazan a travaillé. Pourquoi pas tout protéger l'église? C'est ce qui s'est passé à la fin aux Akiwana. Pourquoi pas l'église les amis protégés pour que la mosquée y ait la mosquée au retour de la mosquée. Est-ce que tu peux protéger l'église? Oui, la meilleure protection est à Dieu. Pour les amis congolais, on dirait l'église à il y aura pas soir, donc tu peux dépêcher l'église, tu peux dans l'église, tu peux s'en des autres. Non, le problème c'est quoi? La milieu congolais, je précise la milieu congolais. Le problème, on va dire bon, mais la route. Tous en un grand travail à ensemble. Le grand travail à faire, c'est quoi? C'est te former dans le bâtiment. Pourquoi Milo Goua les amis? Parce que te former par clameur. Tous ont formé par ici. T'es même américain, tu as la garde du corps. Dans les États-Unis, la garde du corps, allez. Dans la Iran, méga conférence. J'avais un garde-corps bien armé. Mais le pays. Un pays dans un système. Moi, par exemple, dans Londres, les policiers anglais, ils ont armé. Amérique, ils ont beaucoup légalisé armes, mais tout le monde, ils ont armé. Voilà pourquoi le système américain. Dans la législation européenne, par exemple, armes à peine légalisées. Alors, bah, milliers d'autres, ça les a rabattus. Un véritable disciple a reçu des ordres de tenir de culte. Mais bah, religieux, bah, on comprend. Voilà, mais on a un travail à faire. Non, Nabi, Az a raison, mais l'église fait de la paix protégée, il y a des soucis dans la voie. Bissot, on va vivre dans un logo résolument. La société congolaise en général. Voilà pourquoi dans ma pensée, dans ma personnelle, dans la philosophie à rupture totale avec l'élite politique, l'élite intellectuelle congolaise, toute tendance et toute discipline confondue. Parmi les disciplines confondues, il y a aussi la discipline ecclésiastique dans l'acte. Donc les bases doivent être revues pour que moi respect wana les amis. Liés du culte des alliés à l'esprit. Mais comme ils sont mauvais aux deux ans en quatre, nous ne prenons pas le dispensaire sacré. Parce qu'avant de ne pas respecter, shalom, bien-aimé, shalom. En tout cas, merci beaucoup. L'église de l'Angaï et ça m'a toujours une surprise. Parce que ça m'a deux en voiture et ça m'a plaisir en santé. Est-ce que tu reçois la lumière au cours de deux en voiture? Tous sont mis en voiture. Ils aiment leur mot qui dit. Ils aiment leur mot qui dit. Ils aiment leur mot qui dit. Merci beaucoup, monsieur Dieu. Merci beaucoup. Bonjour, maman. Bonne nuit, réveillez-le. Ce qui s'est passé aujourd'hui, consécration. Des six pasteurs. Il y avait six personnes qui ont été consacrées, c'était vraiment la grâce de Dieu, la main de Dieu était là, et le Saint-Esprit était présent. Le Seigneur nous a fait grâce justement d'être là. Moi j'ai été invitée, je suis la prophétesse en moi, et je rends gloire à Dieu pour ce que j'ai fait. C'était vraiment merveilleux. Merci. Malgré les perturbations, mais le Saint-Esprit était là. En retard, tu es affamé. Oui. Le diable est venu en retard. Amen. Merci, merci. Bonjour, abonnez-moi au bon lit, à ton sur ça. Papa, pas pasteur, ça va?
ça va. Tout le monde est d'accord pastoral. Et d'accord pastoral. Zama, donc, Babi, bienvenue au club. Hein? Au club pasteur. T'es évangéliste. T'es pasteur. Papa. Qu'est-ce que tu as dit? Sentiment. Votre sentiment par rapport aujourd'hui? Oui, par rapport à Nzambe, à Osanakat, la mission. Vraiment avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que les hommes salam comme au début, l'église est bandée, il y a Osanaka. Alors, Omeli, dans l'église. De l'eau élévation. De l'eau élévation. Kula Pambola. Constant, côté qu'à la fidèle. Nous merci à Kula Pambola. Merci. Merci. Félicitations. Merci, papa. Votre réaction par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Ma réaction? Par rapport à la consécration? Non, les impressions. Non, sa réaction. Impressions, comment tu réagis, toi? Comment j'ai réagi? Je n'ai pas de voix. Là, je n'ai pas réalisé la grandeur, la taille. S'il vous plaît, votre attention, je n'ai plus de micro. Demain, le service commence à 10. Vous faites pasteur? Toi, tu es directeur pasteur? Non, non. On vous a consacré comme pasteur? On vous a consacré, imposé les mains comme pasteur? Ah, vous, c'est prophétesse. Vous exercez déjà comme prophétesse? Non. Un petit mot? Je ne sais pas s'il faut. Non, en fait, je vais alimenter un tout petit peu le lien de la parole de Dieu. On a parlé de l'appel. L'appel, c'est le supérieur qui confirme un appel. Et puis après, le Saint-Esprit dépose le don. Donc, quand tu as l'appel, on confirme, on te consacre. Et après, maintenant, tu mets le pied à l'étrier, tu te mets le pied dans le paix avec le cheval, avec lequel Dieu t'a donné. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Bienvenue au club. Hein. Hola. six pastors. Sí, de pastorado. Yeah, de Bilbao. Sí, yo de Bilbao, ella vive de Bilbao. Cuatro. Cuatro de Bilbao, somos los cuatro de Bilbao. Sí. Bendiciones para toda la familia de Casa de Oración de París. Para mí es un privilegio que ella me ha invitado aquí en este lugar que hoy tenemos fiesta con el Espíritu Santo, el aniversario de Casa de Oración de París y estamos muy contentos. Le doy gracias al Pastor Albert y a toda la congregación. Estamos felices, estamos muy contentos y Casa de Oración de París, para arriba, no para abajo. Somos cabeza, no somos cola. Merci. Dios le bendiga a todos de Casa de Oración de París. Casa de Oración de París se levantará. Ya, yeah. Ça va, merci.